Donc on a Rachel qui est quand même assez forte, mais elle est à tiers. Elle est à tiers. Elle est forte. Bang n'est pas très fort par contre. Enfin, qui est mid, on va dire. Et là, le match-up, je sais pas, parce que le truc, c'est que Yakal ne connaît pas le match-up. J'étais pas là, j'ai pas vu comment ça s'est passé, j'ai joué, c'est parti. Regarde, son là pour l'instant, pour la carte, il joue plus agressif. Il ne reste pas. Il tisse tout son vent pour le blesser vraiment dans le coin. C'est pas grave, il va en regagner au moins deux dans le coin. Ouais. À la TP pour sortir du truc. Non, pas Dragon Lord en abuse, hein, j'ai vu dans les matchs avant. Pas grand monde sait finir. Le gars, le combo qui passe avec le cross up. Là, le burst de la part de Rachel. Voilà, là, c'est début. Okay, bonne garde, mais là, c'était l'eau. Hein. Tu crois que tu te dis, c'est bon, je vais rester debout pour reculer les overhead. Elle avait l'eau aussi. Le burst qu'elle avait utilisé. Voilà, là, il a passé. C'est bien joué. Non, ça passe que sur les persos debout. Et Jackal, elle est baissée. La furie, il doit commencer la fin. Oui, c'est la fin. GG à Jackal. Voilà la France qui supporte. Qui supporte leurs joueurs. Contre l'envahisseur anglais. Le pauvre, il est tout seul contre le rébellion. Overhead qui passe, il n'est pas très haut possible là. Encore Overhead, décidément. Le clou, il n'y a pas ce match. Ça va dans le corner. Ouais, il a tenté de taper un peu dans les Et bah il presse dans le corner, c'est plutôt bien. Ah, ça fait deux fois. Ça a Dragon Lord qui sait finir. Ça, ça fonctionne. La TP, ça il pourrait finir en mettant un lot. On a entendu, j'espère. Donc oui, là, ça passe le bon combo dans le coin avec le Ah, la furie qui passe. La furie qui est pas safe, mais qui est très dur à finir. Hein. La chope aussi qui passe derrière avec le combo. Il a plus de tension. Et il a plus de tension. Et ça passera juste comme ça. Un kilo. Ouais. Donc un round par tour. Enfant. Voilà l'overhead qui passe, ça ramène. Ah dommage, il a drop le combo. Le lot, plus la garde. Les bons combos de la part de Dragon Lord. Là pour l'instant il est accueilli dans le coin. Voilà, la chaise qui est passée. La chaise électrique, bon, dommage elle a pas tout le coup, elle a pas tout le coup. Les deux ont leur burst, ça va être le. Ah, pour l'instant, ils devraient le garder. À la prochaine ouverture, je pense qu'on va penser à leur burst. Donc, attention, le burst va prendre Dragon Lord. Oh là là, là, c'était vraiment. Il a fait une phase, une shop spéciale en taille d'urni à ras du sol. Au cas où que Jackal saute. Le problème, c'est que c'est très risqué. Le crochet bien bloqué là. Ah, le... Oui, bah, le burst rapide cancel aussi pour finir le combo. Et premier match pour Dragon Lord. Please select your character. Bring Shishigami. Watashi ga. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. Ok, pour l'instant Bang qui essaie de s'approcher sans prendre des invocations de Rachel. Rachel qui fait un tir, derrière qui a combo, le burst directement de la part de Dragon Lord. Et tout qui passe en rond. Ça pas link derrière. L'électricité qui permet de represser derrière. Le hardware qui est passé pour Rachel. La grenouille qui était vite supprimée. Jackal qui se laisse vraiment pas faire, qui veut vraiment prendre davantage. Il utilise son vent, le counter à son outil de la part de Bang. Bang qui fait cross up, qui va faire son combo, mais non, c'est bursté de la part de Jackal. Un bon burst pour garder l'adversaire dans le train. On attention des invocations. Jackal qui a un vent pour l'instant, il est en train de récupérer les autres, mais il a beaucoup plus peur. Donc attention, beaucoup de la part de Dragon Lord. Mais est-ce que ça suffira? Voilà, double overhead RC, mais malheureusement il n'a pas confirmé. Ça n'a pas confirmé, donc attention, Jackal qui va pas se faire, qui essaie de faire en tiers, c'est pas passé. L'invocation qui est passée, oui. Est-ce qu'il va nous faire la phase magique shop dans l'overhead qui passe? Avec combo derrière, Fury! Là, il a encore un mix-up. Oui, ça passe la grenouille en plus. Il aurait pu take, mais dommage. Le burst de la part en Dragon Lord. Et la chaise qui passe. Et la chaise électrique. Elle... Oui, l'invocation, et oui. Rebel 2, action. Attention, le groupe qui passe de la part de Jackal. Oui, en plus, il en met dans le corner.
Il récupère du vent là, il tire avec la grenouille, mais ça passera pas. Vraiment, on a vu de cette phase, hein, et apparemment, en France, personne sait venir. Il a fait ça tout le temps. Donc là, Bank vient récupérer tous ses. Tous ses symboles, merci. Le bleu à l'over est passé. Derrière avec le combo, le thème attaque contrôle malheureusement là. Et là voilà. Alors ça c'est une furie spéciale qu'il ne peut faire que quand il a les 4 Sanji, enfin les 4 symboles. C'est une shop en fait. On peut taper, si on n'a pas bougé avant on tape et ça casse les pas invincible. Là le joli ouvrage grâce à la réplication de la part de Sakal. Voilà, il a puni. Il a entendu, on fait des lots. Faut qu'il se fasse respecter, par contre c'est un mauvais choix le reversal là. Donc attention là, il a plus beaucoup de là, le style est complètement clou et ça passe pas malheureusement. 1-1. Le coup de dernier qui passe, attention, bras grenade qui est encore burst. Ouais, non, mais en fait, il a raison, il veut pas finir dans le coin. Là, c'était le coin, le début des ennuis, et peut-être la mort. Autant burster direct. Le bras qui est passé. Il va prendre des dégâts. Ça part. Le bras qui aurait pu décider de faire le jeu. Le cross-up qui passe encore. Attention. L'overhead encore toujours. Ah, le coup de raso pour pas se faire presser. Il a eu tout à fait raison. Donc là, mais il récupère tous ses symboles. Oui, il récupère tous ses symboles. Mais il a plus de barres. Donc, il est dans le coin de remonter. Pour Jackal. Là, il est en train de pousser. Donc, il y a la grenouille. La chope. Ah, par contre, pas trop. Ah, c'est pas passé. Ah, il a envie de faire chope avant pour l'envoyer en coin. La vocation derrière. Oui, c'est bon, il reprend. Et la furie qui passe. Et là en fait il était déjà en train de taper donc il a pas pu l'éviter. Donc 2-0 pour Dragon Lord. Ah oui, faut expliquer, c'est une chope qui chope que vous soyez au sol ou en l'air. Hein. Ou que vous soyez sur l'écran, elle va vers vous. Hein. Et si vous êtes déjà en train de taper, ben, vous avez perdu. C'est la mort. Avec Rachel, bonne question. Probablement. Ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais, mais le truc c'est que si t'es déjà en train de taper, c'est trop tard. Rebel 1. C'est la balle de match donc pour Jackal qui est dans le corner, mais sur les droits qui passe pas, il garde tout l'instant. Jackal qui est entière, ça passe du lutteur, le burst de la porte de Dragon Lord. De la branche pour Dragon Lord qui sort du coin, il retrouve au Wii. Le droit qui passe. Dragon Lord qui a 50%. Le vent qui est utilisé de la part de Jackal qui ne sait pas faire. Et voilà, j'allais dire. Ah, c'est passé. Ah ben, voilà, il a évité avec le vent, comme tu disais. Il n'était pas en train de taper, donc ça lui a permis de. Utiliser le vent pour pouvoir sortir, attention. Mais apparemment, je crois que Dragon Lord a compris que Jackal connaît pas trop Bang. Parce qu'on la voit pas souvent, cette série, normalement. Regarde, on a des combos avec Loki. Voilà, il a refait. Ah, et là, ça passe. Et ça passe. Ah, aucun respect, moi, j'ai dit. Hein. Il a vu, ça passe. Je vais le faire jusqu'à que ça tue. Rebel 2. Action. Donc, peut-être dernier round pour Jackal. Des encouragements à la salle pour Jackal. Oui, Jackal, pour l'instant, qui fait son combo. Ça passe. Et, ah, encore, ah, le... encore le même. La même. Mais voilà. Ouais, il y a un 6-2 de Dragon Lord. C'est bien, il bloque l'overhead en réaction. Donc Jackal la pense qu'il est dans le coin. Qui a acculé, il peut pas faire chose. Il a pas de repère, il a pas grand chose. Là, c'est sur le combo de la part de Dragon Lord. Il se retrouve dans le coin maintenant. Et là, il va subir les mix-up. Sachant qu'il va bientôt récupérer son burst. Donc ça va être. Regarde, attention. Ça y est, là. Donc ça y est, le burst qui est revenu de la part de la part de Dragon Lord. Là, attention les invocations, ça passera pas, il presse dans le clash dans les airs. L'overhead qui passe, on s'est pas linké derrière. Ah, ça c'est finissable. Donc, attention la furie, la grenouille. Il veut pas le subir le direct. Et là il refait. La chope et ça passe. Donc alors attention, la chef qui va passer, le poison qui va peut-être gratter. Non, ça gratte pas le point de vie. Ah, dommage. Donc alors attention, il a un pixel de vie, va-t-il réussir?
Et oui, il s'est fait gratter, il a oublié la barrière. Il a oublié la barrière et il s'est fait gratter. Donc c'est le GG de la main de Dragon Lord. 3-0. Bravo à lui. Vous pouvez se féliciter tous les joueurs. Et voilà l'Angleterre qui roule la France. Ouais, on peut dire ça.